En 1968, Ivan Sutherland fabrique le premier casque de réalité virtuelle fonctionnel. Il permet seulement d'afficher quelques formes basiques superposées au monde réel, une belle avancée technologique pour l'époque, mais qui restera toutefois en phase de test de laboratoire à cause de son poids trop élevé. Faut dire que ça ressemblait à peu près à ça. 27 ans plus tard, la technologie a bien évolué. Sega va faire rentrer le premier casque VR dédié au gaming en phase de test. Le résultat ? Les testeurs sont tous malades à en crever, le flop est colossal et le projet annulé. Dans son sillage, Nintendo crée le Virtual Boy, et cette fois-ci, ils arrivent à viabiliser le projet et le commercialisent en 1995. Mais pas de chance, c'est un échec cuisant pour Big N, principalement dû à une ludothèque famélique, mais surtout au fait que cette machine à destination des enfants soit déconseillée aux enfants. Lui, c'est Palmer Luckey, et tous les échecs dont je viens de vous parler, à seulement 18 ans, il s'apprêtait à les surmonter. En 2010, il va lancer une campagne de financement participatif pour son projet, créer un casque de réalité virtuelle, mais cette fois-ci pour de bon. Cette campagne va lever 2,4 millions de dollars et donner naissance au premier prototype d'Oculus Rift, qui va paver la voie de toutes les innovations qui vont suivre. Oculus Quest, PlayStation VR, Valve Index et bien d'autres. Mais pourtant, nous ne sommes qu'aux prémices de cette aventure en réalité virtuelle. Une aventure qui pourrait être le renouveau de ces colosses au pied d'argile que sont les MMORPG. Une aventure qui nous rapproche de plus en plus de certains univers que nous considérions il y a quelques années encore comme de la pure fiction. Mais avant, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Kingdom Maker, un habile mélange de RTS, RPG et simulation qui nous plonge dans un monde médiéval fantastique massivement multijoueur. Un jeu sérieux qui ne se prend pas toujours au sérieux. Les nobles, nos avatars, peuvent être utilisés pour de la recherche, du commerce, du combat, de l'exploration de donjons et même interagir romantiquement avec les autres nobles pour développer sa descendance. Les armées y sont personnalisables et il est possible d'assister à n'importe quelle bataille en temps réel, voire directement se joindre à la fête grâce aux annonces de bataille dans le chat mondial. Kingdom Maker propose des conceptions de jeux uniques et rafraîchissantes, des systèmes sociaux qui se cachent à chaque coin de rue et une bonne dose de nostalgie médiévale qui brisera parfois le quatrième mur. Le jeu est free to play sur iOS et Android et vous pouvez utiliser mon lien disponible en description pour le télécharger. Merci à Kingdom Maker d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne à notre histoire de VR MMORPG. Alors, j'ai acheté le Valve Index le mois de sa sortie. Oui, je suis vraiment un pigeon, mais c'est pas la question. Le fait est que depuis que j'ai ce casque, je me suis rendu compte que, ok, la VR c'est cool, même si j'ai passé les premiers mois à combattre la motion sickness, mais parmi tous les jeux que j'ai pu tester, aucun ne m'a vraiment donné l'envie de revenir, de me reconnecter jour après jour. Un sentiment qui, à quelques exceptions près, ne m'est offert que par les MMORPG. Alors en toute logique, j'ai pas décidé de combattre mon addiction au MMORPG et je suis parti en quête d'un MMORPG en VR. Et très vite, un nom est revenu en boucle, que ce soit dans la bouche des personnes à qui j'ai demandé ou dans celle des différents créateurs de contenu PVR. Ce nom, c'est Zenith The Last City. 30€, pas de système d'abonnement, aucune forme d'élément pay to win et compatible sur pratiquement tous les casques VR, je ne pouvais que me laisser tenter. Et en vérité, bah ouais, c'est plutôt cool comme jeu. Si on le compare à un WoW ou un FF14, y a rien de transcendant et ce serait même un MMORPG plutôt pauvre avec un outil de création de personnages qui laisse à désirer. Seulement deux classes et une map relativement petite, mais le comparer avec de tels jeux n'est pas juste. Car Zenith n'est pas un MMORPG, c'est un VR MMORPG. Et les défis de développement ne sont pas du tout les mêmes. Lorsqu'on sait à quel point il est difficile de créer un MMO aujourd'hui, on ne peut qu'imaginer ce que ça doit être d'en créer un en réalité virtuelle. Et je dois dire que sur beaucoup d'aspects, Zenith relève de la masterclass. Le craft est super immersif, l'exploration y est très agréable, le système de combat parfaitement adapté à la VR, surtout pour la classe de mage, et le jeu laisse juste ce qu'il faut de liberté aux joueurs. Mais là où le paradigme du MMO tel qu'on le connaît est vraiment chamboulé, c'est via tout ce qui concerne les interactions avec d'autres joueurs. De la rencontre fortuite qui paraît très différente lorsque l'on voit l'autre joueur réellement discuter et bouger, jusqu'aux combats en groupe qui n'ont plus rien à voir lorsque l'on constate nos alliés mettre le maximum d'efforts et d'énergie dans leurs attaques. Cet aspect-là change toute la donne, car on semble l'avoir oublié aujourd'hui, mais l'essence même des MMORPG à la base c'est le jeu en groupe, les rencontres et les amitiés. Zenith est un jeu vidéo ambitieux, et je dirais même prometteur. Mais pour autant, il n'a pas su me donner cette envie de me reconnecter jour après jour que j'étais parti chercher. Et la raison n'est pas du tout liée au jeu en lui-même, mais plutôt à la technologie qui permet d'y accéder. Car la réalité, c'est que le succès de la VR en termes de jeux vidéo est assez mitigé. Les raisons ?
L'impossibilité d'en profiter pour certaines personnes en situation de handicap, un catalogue jeux vidéo pas encore hyper étoffé, la motion sickness qui est aussi un gros frein pour beaucoup de gens, mais surtout son prix, car si aujourd'hui on peut trouver des casques VR relativement abordables, il n'empêche que pour en profiter pleinement, il faut un minimum de place. Et ça aliène totalement une bonne partie des joueurs qui vivent en studio, en petits appartements ou même une chambre dans la maison familiale. Mais pour revenir sur Zenith et les VR MMORPG, la raison principale c'est que ce système de casque VR. Soyons honnêtes, la technologie est folle, mais c'est pas super confortable. Et ça l'est encore moins dans un type de jeu qui nécessite bien souvent de faire de longues sessions pour arriver à son objectif. La VR c'est formidable quand il s'agit de faire 30 minutes de Beat Saber et se sentir sportif, ça l'est un peu moins quand il s'agit de farmer du gangre shit dans les plaines de Karabor pendant 8 heures. La réalité c'est que sur ce type de jeu, je prends bien plus de plaisir à jouer avec le cul posé sur un siège devant un bon vieil écran d'ordinateur. Ce que je pense, c'est que le format casque VR tel qu'on le connaît aujourd'hui est à la réalité virtuelle ce que Tetris est au jeu vidéo. Un début, une simple première étape. Lui, c'est Kirito, le personnage principal de Sword Art Online. Dans cette série, il est catapulté dans un MMORPG dans lequel il va rester prisonnier. La raison ? Son casque de réalité virtuelle l'a complètement déconnecté de la réalité. Ce casque, c'est le Nerve Gear, et il utilise la technologie Full Dive. Il est capable d'envoyer et de recevoir les signaux provenant du cerveau de son utilisateur, et ainsi simuler à la quasi-perfection la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Le tout pendant que son utilisateur est paisiblement allongé dans son lit. La raison qui fait qu'SAO continue de faire couler beaucoup d'encre digitale aujourd'hui, c'est que le Nerve Gear, ça ne semble pas être impossible à atteindre pour l'être humain, puisqu'il se base entièrement sur une technologie qu'on commence à maîtriser de plus en plus, l'IND, l'interface neuronale directe. C'est le dispositif qui permet d'envoyer et de recevoir les signaux émis par notre cerveau. Dans SAO, la facette envoi de l'IND va transférer des informations au cerveau de Kirito, qui vont se matérialiser sous la forme du monde qu'il voit ou de la douleur ressentie lorsqu'il prend un coup. De l'autre côté, la facette réception de l'IND va enregistrer les signaux émis par le cerveau de Kirito lorsqu'il souhaite par exemple lever sa main droite, et bien sa main droite va se lever dans le jeu. C'est très résumé parce que les détails sont à la fois fascinants et chiants à mourir, mais en gros, dans la vraie vie, ça a permis des choses parfaitement inutiles, comme ce singe qui joue à Pong uniquement par la pensée, mais aussi des choses absolument merveilleuses, comme cette personne qui peut désormais contrôler un bras mécanique. Tout ça nous amène à Valve et son projet, le Galéa. Le Galéa, contrairement au Nerve Gear de SAO, intègre une interface neuronale directe, mais uniquement pour la partie réception des signaux émis par notre cerveau. Ce qui permettra au casque de lire, décrypter et interpréter nos émotions, et ainsi adapter le gameplay en fonction. Le casque pourra détecter des informations assez basiques, mais s'en servir pour proposer une expérience personnalisée. Il pourra par exemple détecter quel type d'ennemis nous font peur, ou à quel personnage nous sommes attachés. Couplé à la technologie VR qu'on possède déjà pour simuler la vue et l'ouïe, ainsi qu'un dispositif haptique pour simuler le toucher, on commence dangereusement à se rapprocher d'un Sword Art Online. Mais pour réellement toucher du doigt cette technologie, il faut jeter un œil du côté des dispositifs qui intègrent les deux facettes de l'IND. Il faut jeter un œil du côté de Neuralink. Lui, c'est Elon Musk. Et soyons sérieux, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce monsieur. Lorsqu'on parle d'Elon Musk, on cite souvent PayPal, Tesla, SpaceX et désormais Twitter, mais on oublie souvent Neuralink. Neuralink est une entreprise justement spécialisée dans l'IND, mais rien à voir avec le Galéa, puisqu'ici il s'agit d'IND de type invasif. Et par invasif, je veux pas parler du mec relou qui ping Discord à 2h du mat, je parle d'implants cérébraux. Donc une interface neuronale directe, mais carrément implantée dans le cerveau. Et je suis pas une pointure en neurotechnologie, je vous rappelle que j'ai arrêté l'école CE2, mais en gros, de ce que j'en ai compris, les signaux du cerveau qui peuvent être captés par les IND non invasifs, donc ceux qui vont simplement se poser sur le crâne, sont un certain type de signaux très basiques. Et pour rentrer dans les dingueries type SAO Full Dive, pour l'instant, on n'a pas d'autre moyen que de passer par de la chirurgie et par un implant. Et clarifions tout de suite une chose, l'application principale de Neuralink est liée au domaine de la santé, un domaine pour lequel les espoirs les plus fous sont permis grâce à cette petite merveille de technologie. La possibilité de rendre leur mobilité aux patients atteints de paralysie, de traiter certaines maladies mentales et autres troubles psychologiques, ou encore de restaurer la vue ou l'ouïe. La priorité de Neuralink, c'est la médecine, l'application technologique au fonctionnement de la matière cérébrale. Mais l'homme a marché sur la lune, exploré l'espace, visité les abysses, inventé internet et les jeux vidéo. Donc évidemment, à l'annonce de Neuralink par Elon Musk, beaucoup y ont vu cet outil providentiel qui rendra peut-être le full dive possible. Et c'est sûr que ça propulserait l'expérience à un tout autre niveau. Un
monde persistant dans lequel on pourrait sentir les odeurs, celles d'un festin de Talbuk étonnamment savoureux ou la puanteur des clairières de Tirisfal. Entendre les murmures de deuil givre directement dans notre tête, ressentir la moiteur de la jungle de Strangleronce, la pluie qui humidifie nos cheveux, la neige mordant notre peau, ou même la sensation de chaleur nous envahir lorsqu'on reçoit un soin jusqu'au froid du souffle glacial d'un mage frost. En fait, avec une puce dans le cerveau, les 5 sens peuvent être exploités. Et ça, ça offre une perspective assez folle. Et je vois beaucoup de gens se hype là-dessus. Et je comprends, c'est sûr que ça peut faire rêver. Mais pour autant, si un jour la puce Neuralink s'exporte dans le monde du jeu vidéo, je pense que ce jour sera bien funeste pour nous autres joueurs. Ce chapitre est totalement subjectif. Et si vous êtes pro-transhumanisme, cyberpunk, cyborg de tier 4, vous n'allez pas du tout être d'accord avec ce que je vais dire, et c'est ok. C'est un très bon sujet à débat, aucunement une raison de s'insulter. Merci par avance. Alors pourquoi je pense que cette tant attendue technologie full dive serait une catastrophe pour le monde du jeu vidéo? Eh bien plusieurs raisons. Premièrement, tant qu'on parle d'implants cérébraux, le risque zéro n'existe pas. Prendre ce risque pour recouvrer la vue ou marcher pour la première fois, oui, évidemment, tous les jours. Le prendre pour farmer des sangliers dans la forêt d'Elwynn, non merci, sans façon. Mais au-delà de ça, le principal problème que j'ai avec cette technologie, c'est au niveau éthique et légal. Je veux dire, j'ai rien contre les prêtres-ombres, mais là on parle littéralement de contrôle mental. Et je suis absolument pas prêt à laisser le contrôle du peu de cerveau qu'il me reste à des entreprises de jeux vidéo, pour lesquels, ne l'oublions pas, le profit sera toujours un objectif. Sans même parler du rétrécissement, de la séparation entre l'homme et la machine que ça provoquerait, ça soulève des questions de modification de la personnalité, qui sont factuellement possibles avec la stimulation cérébrale, d'amélioration sélective, de publicité potentiellement directement envoyée dans notre cerveau. Et au-delà de ça, je suis pas prêt à laisser l'accès au petit bouton qui libère la dopamine dans mon cerveau à des entreprises qui cherchent déjà à tout prix à atteindre ce petit bouton à travers un écran d'ordinateur. En gros, notre cerveau est une des rares choses sur lesquelles on a encore un peu de contrôle, et j'ai bien envie que ça reste ainsi pour ma part. Certains vont penser que c'est un point de vue pessimiste, je préfère le considérer comme réaliste, mais je comprends. Et attention, se rapprocher d'une expérience full dive, je trouve ça très stylé, mais je pense qu'il y a une certaine limite à ne pas dépasser. Et j'ai l'impression que cette limite se situe précisément au milieu des deux facettes de l'IND. La partie envoi devrait selon moi être réservée à la médecine, quant à la partie réception, pourquoi pas. Par exemple, le projet Galea de Valve, c'est ok, en réalité c'est juste un électroencéphalogramme posé sur un casque VR. Ça permet de lire des émotions assez basiques et proposer un gameplay en conséquence, mais ça permet pas réellement de lire dans les pensées non plus. Je serais ravi de tester ce genre de technologie, mais je peux vous assurer que la personne qui va m'implanter une puce dans le cerveau juste pour jouer à des jeux vidéo, elle n'est pas encore née. Messieurs, dames, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Je ne vous donne pas rendez-vous dans le monde full dive parce que ce sera sans moi, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou à très vite sur Twitch, c'était Combo, salut. Avec vous, je vis des vagues, jeux vidéo, spécialiste des combats et des combos. Pour moi, c'est pas un souci, me lance pas un sorcier. T'es pas opti ou trop obtus, dans mon art, je suis imbattable, pas besoin de continuer.